oui, Gordon Deza pour Gamesa TV. Alors je suis avec Antoine Alexandre Deza et Antoine Deza. Attends, on est bien cadré là ou pas? Attends. Hop. Ah, redescends. Voilà. Donc nouvelle vidéo, une des dernières vidéos de cette année 2019 pour vous présenter nos dernières acquisitions. Hein, toutes les acquisitions du mois de décembre. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo hein, sur les retours sur achats, vide-grenier, dons, tout ça. Donc il y a énormément de choses, on va essayer de faire au plus vite. Et il y a surtout... Ça va pas non? Tu vas le chercher. Et démanger. Bon, on va voir tout ça de suite après le générique. Générique. Vide grenier. On commence comme ça une vidéo. Non. Tu es vide grenier. Donc beaucoup de choses, comme je vous disais. Mais regarde comme c'est mal cadré, t'as touché. Non. C'est toi qui c'est pas cadré. Je sais pas cadré, voilà, on a cadré le rétro-jeu là. Non, comme ça, voilà. Comme le rétro-jeu. Ah oui, rétro-jeu c'est cadré comme ça. Salut les amis. Petite dédicace à rétro-jeu. Hop, ouais, essaye de te recadrer un peu mieux. Voilà, comme ça, à la rigueur, voilà. Tellement de choses, on ne sait pas par quoi commencer. Ça. Il y a eu énormément de dons, alors je remercie déjà hein, Yanis et les autres, hein, Jean-Jacques et les autres qui ont fait des dons. Il y en a d'autres qui sont là. On va commencer. On commence par les dons. Non. Non, ce qui est là, d'accord. Allez, vide grenier. Je peux t'arrêter avec de la mort PS3, que la boîte, voilà, il n'y a pas le jeu, il n'y a que la notice, voilà, c'est fait. Tu peux articuler. Vous avez compris quelque chose? Rien. Bon, allez, c'est une boîte. Passe, la suite. Harry Potter, Héroïque de la mort, deuxième partie. Il manque la notice sur okay. PS3. Vite. Ridge Racer. Unbounded. Non. Complet, voilà. Hop. PS3. Darksider 2. Sur PS3, complet. On l'a eu ce matin, tu l'as eu à combien? Complet. 5€. Non, 3€, je crois, je sais pas. Ouais, 3€. 3€ et il y a pas mal de jeux quand même. Ouais. Alors, ça tu l'as testé? J'ai testé tout à l'heure. Alors, un autre stand vide-grenier où il y avait. Des peluches. Alors, deux peluches. Yoshi et Toad de jaune. Toad de jaune plus Kirby. 54. Non, ça, montre-le. Kirby au fil de l'aventure. Au fil de l'aventure. Complétos. Plus ça. Complète. Et puis, le code qui n'a pas gratté. Oh, trop bien. Tu vas pouvoir te gratter. Tiens, Spiro. Spiro ou Spyro? Comment on dit? C'est Spiro. Le livre Spiro. Ça a l'air nul en fait. Ouais, bon, c'est les prix, voilà. Comme ça, c'est un livre Skylanders, bibliothèque verte. Tout ça, j'ai eu pour 4€. Burnout 3 Takedown. Je crois que c'était 1€ le jeu. Là. Sur Xbox. 1€ le jeu. Need for Speed Underground, je crois qu'on l'avait déjà, ouais. Mais il était pas cher. Je me suis dit un jeu pour faire de la simulation auto. Oh, Injustice 2 sur PS4. Combien on l'a eu celui-là? 5, je crois. Non, 5 aussi. Ah non, mais oui, c'était un lot, elle nous a fait un prix, comme j'avais pris des vinyles aussi. Non, mais elle nous a fait 15. 15, oui, bah, 15 c'est le nombre de disques que j'avais. Hein. Ouais, donc, ouais, voilà, on l'a eu pour 2-3€ en gros. Metroid Prime Corruption, mais il manque la notice et c'est de la merde. Alors là, on s'est un petit peu fait avoir quand même, un petit peu quand même. Je crois qu'on a payé 4€, mais voilà. Alors, ça c'est chez toi, ça. Ça c'est Bourse aux jouets. Alors, Bourse aux jouets qui était organisée, mais j'ai l'impression que ça. Oh, ça se décale à chaque fois ce truc. On va faire notre jeu. On va que la tête. Ne me racontez pas de salade. Alors, ça c'était la bourse aux jouets organisée par les collégiens de PV1, PV2, PV2, pardon. PV1, ouais, voilà, pour leur voyage en Angleterre. Donc voilà, ils vendaient des jeux et bon, j'ai fait un petit geste pour la bonne cause. Hein, c'est la photo hein, d'Irène qu'il y avait eu sur ma page Facebook. Vas-y. Red Dead Redemption, Undead Nightmare. Undead Nightmare. J'ai essayé, ça peut flipper, mais ça passe. Mais il n'y a que la boîte, je crois. Là, c'est ma vraie écoutée. Il n'y a que le jeu. Vous parlez tous les deux en même temps, mais en plus, vous n'êtes même pas clés, elles ont rien compris. C'est pas grave, on passe. God of War, attention.
Et il va trop vite. Il va trop vite et en plus il articule pas. PlayStation Card de 20€. Voilà, bon, ça c'était bon, pour en fait il y a Little Big Planet. Il y a Little Big Planet, mais j'ai quand même pris ça parce que c'était c'était comme ça que se vendaient les premières cartes. Les premières cartes PlayStation, oui. Ah bon. Donc voilà. Ah bon. Ouais, ouais, c'est magique. Donc voilà, c'est pour la mémoire, on va dire. Ça. Ça, alors j'ai un casino, c'est ces deux choses. Ça, je l'avais eu avec les 10%, machin, tout ça. Je sais plus combien il m'était revenu à 20€ à peu près. 20€, c'est une mini borne d'arcade. Le Pac-Man. Pac-Man, qui est très sympa, on l'a testé. Elle est bien. Ouais, hein, très fidèle à l'arcade. Mais la musique, je suis avant qu'elle change, je sais pas. Non, musique je pense pas que c'est con. Ok. Hop, là-bas. Black Friday. C'est trop, je fais. Non, non, non. 4. Mais oui, ça bouge. Attends, on est à chaque fois. On est... Attends. Oh. Voilà. Je te jure, ça bouge. Ça bouge. Du choc sur PS4. Voilà, qu'on va essayer de garder. Hein, on va essayer de la garder, celle-là blanche. Et bon, le jour où c'était un problème avec ta PS4, on l'utilisera. Vous avez déjà 4 des manettes, c'est bon, non? Il y en a 2 qui marchent mal. Il y en a 2 qui marchent mal. Vous avez la bleue, la blanche. Non, la bleue, la rouge, et maintenant on a le blanc. C'est le bleu, blanc, rouge. J'avais déjà fait avant, mais tu vois. Voilà, on va pouvoir jouer à FIFA. Non. On va essayer de la garder en boîte quand même, celle-là. Non, je pense. Alors du coup, elle est revenue à 36€ moins 10% et en plus un bon d'achat de 30%, je sais plus. Et ça a brûlé parce que c'est chaud. C'est chaud. Il fait un peu. T'es bête. Non, alors ça vient d'une boutique au Japon. C'est un jeu PS1. En fait, c'est que j'ai oublié tout sans faire exprès. Ah oui, mais on se décale à chaque fois. Mais c'est ce que je dis. Merci. Ah ouais, tu recales bien, hein, bravo. Hein. Ah. Oh là, vous qu'est-ce qu'il voyez. Est bon, allez, la caméra est un petit peu déséquilibrée, désolé, on est un peu. Hein. Les jeunes. Mais vaut mieux être que. Les jeunes of Earth. Erge. Alors. Erge. Les chinois. Alors, en fait, c'est Rival School. Legend of Heroes, c'est Rival School, un très très bon jeu de baston hein, sur PS1 en 3D, mais quand même très très bien fait, avec une intro vraiment vraiment géniale. Il y a 2 CD à l'intérieur. Et il y a un petit mot écrit en français par un japonais, c'est quand même génial. Écrit bien en plus. Ils écrivent bien, mieux que toi. Écrit quoi, oui. Non, on s'en fout. Merci pour votre visite. Voilà, merci pour votre achat. Voilà. Rival School, je l'ai eu pour un peu plus de 10 balles. La Bible PC Engine. Alors, qui vient de Internet. Black Friday. Les 2 livres pour 24€ seulement. Donc c'est quasiment le prix d'un seul livre. C'est pas cher, les 2 livres 24€. Ouais, regarde le prix d'origine. Ah, et là, d'un coup c'est pas cher. D'un coup ça y est, voilà, d'accord. Hein, voilà. Donc comme on avait la PC Engine mais, et le lecteur CD-ROM aussi. Putain, arrête de faire du bruit. Comme on avait déjà la PC Engine et le lecteur CD-ROM, mais qu'on ne connaît pas les jeux, on ne connaît pas assez les jeux PlayStation, PC Engine. T'aimerais que je fasse du bruit pendant que tu parles. Pardon. Ouais, pose-le là-bas. Des pieds. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Alors ça c'est un envoi là, ça c'est un don. Alors j'ai laissé le petit papier que m'a fait Romain. Terrasse Romain, c'est ça, de Bigoulia. C'est rigolo, la terrasse, le balcon, c'est drôle, hein. Oh là là, Trivial Poursuite, donc, Burnout, Paradise, The Ultimate Box. Donc il n'y a pas les jaquettes, mais Sega Superstar, attends, Sega Superstar Tennis, The Evil Within, je connais pas, ça doit être un Survival Horror. Et un Assassin's Creed. Assassin's Creed 3. Assassin's Creed. Alors, comme tu le dis bien, vas-y. Assassin's Creed. Alors, voilà, bon, c'est. Voilà, sans jaquette, tout ça, mais c'est un don, hein, on refuse pas les dons, hein, évidemment, hein, merci beaucoup. Ouais. Merci Romain. Ça, Dynamite Games. Corté. C'est de la musique avant. Et oui. Et ils sont débiles, hein. Alors c'est le remake de Ghostbusters qui était sorti sur PS3 à l'époque, hein, le fameux 3ème épisode qui n'avait jamais été tourné mais qui n'a été réalisé qu'en jeu vidéo. Ah, voilà.
Donc à essayer, on l'a pas encore testé. Mais je pense que ça devrait être pas mal. Au moins il y a les voix originales. Alors un don formidable. Formidable. Attends, ta gueule. Formidable. Alors Yanis m'a offert. On va vous faire le chevalier du scorpion. C'est ça? Sub-Zero. Sub-Zero, regardez. Non, une figurine du collector, issue du collector de Mortal Kombat X. Ou Mortal Kombat 10. Pourquoi un scorpion est nul? Donc voilà, c'est le 42 508e sur 70 000. Ok, il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 70 000. Pour l'instant. C'est limité, hein. Ouais. Ouais, pour l'instant, non, on va le remettre dans sa boîte. C'est un don? C'est un don, donc merci Yanis, c'est énorme. Scorpion. C'est énorme. Voilà, et Yanis qui va nous donner encore des jeux Xbox 360. Ensuite. Des jeux PC. Alors, des jeux PC, ça c'est un achat sur internet. Tu me les passes un par un? Je les donne par là et après tu les poses là-bas. FIFA 2000. FIFA. Oh, Tomb Raider. Alors, c'est des Big Box. Big Box. Tout ça, j'ai eu pour 14 euros. C'est bien. Ils sont complets en super état. Classic Collection, Rally. On s'en fout de Classic Collection, tu dis Rally Championship, d'accord? Classic Collection. Bon, ça alors, c'est un simulateur automobile. Speed Rage. Alors, Speed Rage, hein, ça c'est une course de différents véhicules. Monaco Grand Prix Racing. On n'entend rien. On entend, bien entendu. Hein, à part Racing. Tu parles en chinois. Monaco Grand Prix Racing Simulator 2. D'accord, soit tu dis qu'il faut faire vite et toi tu... Oui, mais faut être clair. Skynet. Hein. On dirait Terminator. Ouais, c'est le Terminator. Et on peut en même Terminator. Future Shredder. Future Shock. Revenant. Ah oh, pardon, Revenant. Commando, le sens du voleur. Non, dévoilé. Tu vois? Le sens du devoir, Commando. Il paraît que c'est un très bon jeu, ça. C'est tout? Donc, tous ces jeux en Big Box. 9 euros. 14 euros, ouais, 9 euros avec les frais de port. C'est qui? Oh là là, tu as dit au hasard, comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Alors, ça, Momox Shop. c'est drôle, mais au moins on fait de bonnes affaires et il y a des choses vraiment très originales sur ce site. J'adore Momox Shop, c'est un peu lent de trouver des choses. Si tu regardes la BD. Tu la lis, au lieu de nous la donner. Street Fighter, les leçons de la vie. Voilà, c'est une BD en très très bon état. Elle était vraiment pas chère, je crois. Elle était à 2 euros. Voilà. Un petit livret. C'est pas un livret. Je sais pas ce que c'est Street Fighter 2 sur PC. PC qui coûte ultra cher et c'est pas bien. Alors je l'ai ouvert, hein, déjà, hein, le colis était déjà ouvert. Et donc vous avez le CD de Street Fighter 2. C'est quoi là? CD-ROM. Voilà, il y a la notice ici. Et j'ai vu un CD, il y a quelque chose qui traîne là. J'ai regardé et en fait c'est encore meilleur. C'est encore meilleur que ce qu'il y a là-bas. C'est le Super Street Fighter 2 Turbo. Hein, parce que l'adaptation de Street Fighter était un peu moyenne, un peu lente, on va dire, malgré des graphismes réussis. Et le Street Fighter 2 Turbo, par contre, sur PC, c'est une tuerie. Le jeu est génial, les musiques sont originales, complètement différentes de l'arcade et des versions console. Mais on a là une des meilleures versions du Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 Turbo. Donc je suis content de ce petit achat qui m'est revenu à pas trop cher, je sais plus combien, je vous le marquerai dessous, moins de 10 euros. Plusieurs jeux d'Atari. Voilà, une compilation de jeux d'arcade Atari. Anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire, hein, on fera le gâteau, d'accord. Là aussi pareil, mais sur Mega Drive. Même un peu la même chose, une compilation de jeux Mega Drive. Mint. Volume 3. Hein, donc, Mint. James Bond. Il est Mint, il est neuf, il est sous blister. Sur Sega, James Bond, Agent 007. Laquelle de Sega? Il y en a 30 000. Sega de marque. Mega Drive. Ouais, Master System. Mega Drive. Oh, Domark, quel idiot. Alors, avec la notice, hein, 007.
Thomas. Sur Master System, peut-être. Mais ils doivent se foutre de ta gueule là. Il connaît rien, il connaît rien. Alors j'essaie de leur apprendre, j'essaie. Thomas. NBA Jam sur PlayStation 1. Alors NBA Jam. C'est de marque, hein, TE Tournament Edition. TEEWX. PlayStation. Alors vous allez dire, ouais, mais tu l'avais déjà sur Saturn, machin, tout ça. Oui, mais voilà. Hein, bon, très bon état. Il y a le prix dessus. Le prix, je sais plus combien. Sur le CD. Ouais, c'est une misère. Il est écrit 840. Les jeux chez Momox sont vraiment pas chers. PacPix. PacPix. C'est la cave à Momox. Directement tombée du camion. C'est la cave à Momox. Il les a volés. Mais oui, il les a volés. Voilà, complet. C'est qui ? PacPix. Alors, je sais pas, c'est un jeu inspiré de Pac-Man. On va vérifier non, sur DS. PacPix, tu veux. Nagado. Nagado Winter Olympics 98. Oui, oui, ici Nagano, voilà, un jeu sur PlayStation 1 reprenant toutes les plus grandes épreuves des Jeux Olympiques d'hiver de Nagano. Tu comprends pas, c'est Pierre Fula. Un hommage à Pierre Fula, très très grand commentateur. Ici à Nagano, il pleut de la choucroute. Stuntman. Eh oui, Stuntman sur PS2, sur PlayStation 2. On l'a déjà. Il est complet avec sa notice. On l'a déjà. Pas grave. Il est pas cher, ferme ta gueule. GoldenEye au service du mal sur Xbox. Eh oui. GoldenEye. Pour pas cher. Voilà, c'est bien, pas cher. RC Stunt Copter sur PlayStation 1. Oui, bon, il est un peu défoncé. Eh oui. RC Stunt Copter, un jeu d'hélicoptère. Oh, c'est mal. Comme son nom l'indique, pas. Du papier. Encore du papier. Et nous avons ici un colis en carton. Alors, fais ça, le truc Alors. La merde. Enlève déjà tout ça. Oh, j'ai pas de place sur le lit. Putain, je vais le faire moi alors. Ouais. Fais-le toi. Voilà. Et oui. Et oui. Alors nous allons continuer avec la merde. Alors, avec un don de mon ami Jean-Jacques. Alors vas-y. Au revoir. C'est lourd, hein. Ah oui, là il y a du lourd. Là c'est lourd et c'est vraiment du lourd. Doucement, putain. Alors une Dreamcast en boîte, hein. Voilà. Viens, on prend. C'est pour la vignette. Viens. Approche de ces deux cons. Vignette. Voilà, on va mettre ça en vignette parce que c'est sûrement la plus belle rentrée de ce mois-ci, peut-être même une des plus belles rentrées de cette année. Une Dreamcast dans son fourreau. Hein, voilà, c'est une édition pack aventure avec deux jeux inclus. Deux jeux inclus, donc c'était Mario et Tomb Raider. Voilà, non, il n'y a pas le volant. Il y a une manette, il y a le Visual Memory. Bon, je vais pas vous l'ouvrir, mais tout est nickel. Il y a même le plastique autour de la console. Je vais la tester assez vite. Jean-Jacques, j'ai pas encore eu le temps. Je t'avais dit que je la testerais vite, mais oui, j'ai pas eu le temps. Et il m'a donné. Donne-moi les 4 jeux Dreamcast qui sont au-dessus, les plus hauts. Les 4 au-dessus. Les 4 au-dessus, quoi. 4. Donc ça c'est les jeux qui étaient inclus, donc le Tomb Raider et le Sonic Adventure. Ok. Et en plus j'ai eu droit à Crazy Taxi et ils sont en super état. Regardez les boîtes, c'est rare. Moi que j'ai fait. C'est rare de trouver les boîtes encore en si bon état. Bravo, voilà, Jean-Jacques, si, de les avoir. Si, laisse là-bas toi. Et Dead or Alive. DOA. Non, Dead or Alive. Dead or Alive. Deux. Donc sur. C'est le 2. Dreamcast. 4 jeux Dreamcast en plus de cette belle Dreamcast. Ah, c'est rigolo, hein. Ah, t'entends, mais oui, à chaque fois c'est moi qui me paye la chaise pourrie, donc forcément. C'est toi qui la mets au milieu. Ouais, ouais, bien sûr. Ah oui, pour que ce soit. Allez, vite la suite. Vite la suite, putain. Des jeux PlayStation 1. Alors allez, on met tout, mets tous les jeux PlayStation 1, on va les passer en revue. Allez. Hein, alors nous allons commencer, bon, par Anaco.
Anna Kournikova. Non, Anna Kournikova, Smash Court Tennis. Donc un jeu de tennis, vous connaissez Anna Kournikova, c'était une grande championne russe. C'était la grande rivale de Martina Hingis. C'était sa plus grande rivale et concurrente, Martina Hingis. Parasite F2, voilà. Ça allait. Comme tu présentes ça, c'est une tuerie ce jeu. C'est une tuerie. Parasite F2 et Parasite F1. Énorme, en état. Mais mint. Tu peux tellement prendre, tu peux manger dessus. Non, mange pas dessus, tu vas me les salir. Vas-y, ensuite, hein, envoie. Ninja, l'ombre des ténèbres. Ah, vas-y, mets-toi en ninja. Ninja, l'ombre des ténèbres. Bon, avec un petit problème de notice. Ah non, il y a tout. ODT, le rapport. ODT, je connais pas. C'est un rapport français. Bon, on va tester, ça a l'air d'être un jeu d'aventure. CDI. Oh, mais quelle idée. Colony Wars. Voilà, alors je l'avais déjà celui-là. Hein, peut-être qu'il ira à l'échange, je mettrai le mien à l'échange. Je garderai celui qui est en meilleur état. La Coupe du Monde 98. Oh, bon, celui-là, je pense qu'on l'avait déjà. Coupe du Monde 98. Et oui, la Coupe du Monde de football de 1998. Vandal avec Zinedine Zidane et Didier Deschamps. Didier Deville. Vandal Hertz de Konami. Resident Evil 3 Nemesis. Alors toi tu le présentes comme Resident Evil 3 Nemesis, tiens. Oh, Resident Evil 3 Nemesis. Ça c'est c'est énorme. Spyro le dragon. Spyro, bon c'est une copie. Pilates. CDR. Oh putain l'idiot. Medieval. Medieval, mais c'est une copie. Resident Evil. Alors oui. On croit que c'est une copie sauf que non. C'est l'original, c'est juste que la jaquette a été coupée. Saloupio. Donc voilà. Final Fantasy 7, deux fois, je sais pas pourquoi. Final Fantasy 7, le classique. Hein, voilà. En super état également, la jaquette est à peine fêlée. Voilà. Il y a un CD, il y a une copie dedans, de je sais pas quoi. Non, le jeu est complet, il y a les 3 CD. Et il y a un bonus dedans, donc on verra bien. Mais qu'est-ce que tu es drôle! Là, tu fais rire tout le monde! Oh! Formidable! Pas toi. Allez, la suite, envoie la suite! On envoie la pub! PS1 avec deux mémoires, on s'en fout! On s'en fout, une PS1 quand même, bon, un peu poussiéreuse, mais en bon état, elle a pas l'air rayée. Comme toi, t'es poussiéreuse. Avec deux cartes mémoire originale officielles. Des trucs dans une pochette. C'est une Game Boy Color, stupid idiot, dans une pochette Gamester. Gamester, c'est comme Gamestar. Là, c'est grave quand même. Non. Oui, c'est grave. Oh non. Alors, une Game Boy Color en version turquoise avec jeu. Avec un seul jeu. C'est Perfect Dark de Rare. Ah, voilà. Alors, il y avait un vibreur intégré, c'est pour ça qu'il y a un compartiment à piles. Hein, là-dessus, c'était quand même avant-gardiste, hein, quand même. Des jeux Nintendo 64. Mario Kart 64. Zelda Ocarina of Time. Mario Kart 64. Ah, Zelda, putain. Eh oui, un Zelda, quand même. Tu as vu comme la cassette est un peu plus lourde? Ouais, c'est vrai, voilà. Pourquoi? Un peu plus lourde. Pourquoi? C'est comme ça, parce qu'il y a plus du jeu dedans. Super Mario 64. Il y a plus de personnages. Nintendo 64. C'est un grand classique. Envoie les autres. Comme ta gueule. Je les ai envoyés là-bas, tu vois. Et hop, je fais tomber. Vite. Superstar Soccer 64. Ah, voilà. Escoa 1964. Lila toi. Voilà, donc ça c'est bon, c'est connu comme étant la suite hein, de Star Wars, Starwing, Star Fox. Une manette Nintendo 64 avec un bizarre truc. Avec c'est le Rumble Pack, c'est pour faire vibrer la manette. Les vibreurs n'étaient pas intégrés. Alors bon, va falloir enlever les piles, on va nettoyer un petit peu tout ça. Alors ça va que les sticks. Bon, celui-là il est un peu fatigué quand même. Là il y a eu du Mario Party là. C'est vrai que les sticks, bon, celui-là encore, ça doit être jouable, hein, encore. Donne la une manette verte. Une manette verte aussi. Ah, ça va, le stick, il est un peu plus en forme. Là, il revient à sa position initiale. Une manette PS1.
Ça va avec la PS1 stupide idiote. Une manette PS1. Ça va avec la PS1 stupide idiote. Des câbles. C'est les câbles de la Nintendo 64. Et Mega Drive. Ouais, il s'y connaît, hein, vraiment. Ouh là là, voilà une GameCube. Ah ouais, Sega. Un peu, voilà, un peu poussiéreuse. Ah, elle a toujours le petit capot. Ouais, pour mettre les petits DVD. Là. Les petits DVD de la GameCube. Range ça. Ça, c'est bon. Alors merci Jean-Jacques pour tous ces dons, formidable, on va dépoussiérer un petit peu tout ça. Oh putain non. Et ça va être... ça en tout cas ça va être mis à disposition très prochainement pour, lors de notre journée Retro Gaming, je vous en parle à la fin de la vidéo. Vas-y, remets tout ça dans la caisse et on passe à la suite. Tu veux t'en charger? Oui. Non, j'explique, vas-y pendant que tu ranges, putain. Alors, suite à une annonce, un message qu'on m'a envoyé, oui, je vends des jeux, si ça vous intéresse, j'ai des jeux vidéo, des jeux vidéo de mon fils et tout. Je dis bon, bah, je viens, je passe, ouais, j'ai pris rendez-vous donc avec la dame qui nous faisait cette annonce, hein, bon, et nous avons acheté, bon, il n'y avait rien d'extraordinaire. Hein, c'est, bon, elle vidait sa maison, et c'était pour financer les travaux de sa maison, donc on a fait quand même un petit geste. Sur PC, Act of War, hein, dans son fourreau, il avait l'air complet, pas trop déglingué. Star Wars, Lego Star Wars The Complete Saga, voilà, je sais pas si vous voyez, bon, sans rien, sans notice, ni jaquette, hein, juste le boîtier, et il n'y a même pas de quoi mettre, faire tenir la jaquette. Est-ce qu'il est... on s'en fout s'il est rayé ou pas, je pense qu'on va même pas y jouer. Alors, Conan sur PC. Conan le barbare. Oh, ouais, c'est ça, c'est un jeu d'aventure. Alors, un Tomb Raider, bon, on l'a eu en big box, ouais. Alors, si vous regardez bien, la jaquette, elle a pris l'eau. Hein. Ah, donc, bon, j'ai quand même pris pour la collection, puis il y a quand même deux CD dedans. Il va pas faire long feu, celui-là. Alors... Ils ont essayé de nettoyer les CD. Counter-Strike sur PC, un grand classique. Alors ça c'est juste la boîte de Pirates des Caraïbes avec la notice. Jusqu'au bout du monde. Hein, pour essayer de le compléter. Hein. Je vais voir si je peux l'avoir en loose. Astérix aux Jeux Olympiques. Hein, aux Jeux Olympiques aquatiques même j'ai envie de dire parce qu'il a pris complètement l'eau. Et il est même un petit peu moisi si on regarde. On l'avait déjà. Hein, on l'avait déjà. Oui, mais sur DS. Mais sur DS. Ouais. Non, pas sur DS. Si on l'a sur DS. J'ai déjà essayé. Alors Revolt. J'ai essayé. Mais sur DS, j'ai essayé. Revolt, en fait, c'est la boîte de Revolt en tout cas. En fait, c'est le Revolt. En fait, dedans, il y a Verali et Jet Rider. Et Jet Rider. On l'a un peu anarché. Ouais, dis-le bien fort, comme ça, quand on va voir la vidéo, elle va être contente. Le cinquième élément, hein, un jeu PC. Et Terminator. Oh putain. Sur. Oh sur Allez. Oh là, mais qu'est-ce qu'elle a. Oh là, elle a fait le crépi avec. Oh non, mais il est foutu. Oh, mais c'est il est foutu, il est complètement grillé. C'est le truc de. Oh mon dieu. Et bon, au départ, elle voulait. Bon, il y a une dizaine de jeux, elle en voulait 2€ par jeu. J'ai fait non, je peux pas vous. Au mieux, je dis 1€ par jeu, voilà. Ouais, elle a fait d'accord, un petit peu. Je pensais en tirer 2€ par jeu. Oui, mais le problème, c'est que c'est ça, c'est que les gens croient souvent avoir des pépites. Et là, il n'y a rien comme pépite. La merde. Ah, c'est sale, ça a pris l'humidité, c'est moisi. Je crois qu'il y a de quoi se prendre quelques maladies. Bon, hein, on nettoiera bien tout ça. Hein, quand et, attends, le gros truc, le gros truc. Ça. Ah, alors, petit cadeau que je me suis fait. Ah, hein. Noël. Voilà, alors je suis allé jouer à Jouer Club. Hein, chez mon ami Laurent, à qui je passe le bonjour, hein, et qui a fait un super don pour les animations de l'association pour la journée Retro Gaming. Ah, il y a aussi je vous donnerai le rendez-vous en fin de vidéo. On a le link, c'est celui-là. Eh oui, on a le link, donc c'est dans la lignée de la figurine Link qu'on avait déjà rentrée, hein, qui est là-haut. Tu veux montrer-nous à la télécommande où il est Link. Voilà. Hop, regardez. Donc voilà, donc c'est un Super Mario de 50 cm. De 50 cm. C'est bon, on l'a vu ou pas? Non mais attends, c'est con, c'est de ce côté. Eh oui, c'est de ce côté. Là, stop, bouge plus, il est là. Là. Il y a Link. Là. Et maintenant, il y a Mario. Hein, et en plus de... Attends, t'es con. De Scorpion. En plus de Scorpion. Bon, ça, je le range là.
Merci Laurent, s'il te plaît, aide-moi. Alors merci vraiment Laurent pour le don. Recadre, recadre, recadre. Purée, on dirait rétro-jeu. Recadre. Stop, stop. Par là, un peu par là, un peu par là. Oh, stop, voilà. Bouge plus, touche plus, touche plus à rien. Trop bien. Rétro-jeu. Alors. Et donc le dernier colis. Concentration. Ah putain, maximum. Allez, attends. T'es quoi, t'es tombé? Mais ça va pas, tu vas le transpercer pour de bon! Mais quel idiot! Mais quel idiot! Mais quel idiot! On fait semblant! Mais t'as pas compris qu'on veut pas le bousiller? Même si la boîte en bas! Mais tu vois pas s'il y a un cadeau dedans? Donc on sait pas s'il y a comme cadeau, est-ce qu'il y a des cadeaux? On sait pas. Il y en a trois? Ah, c'est ça le cadeau, c'est qu'il y en a trois. Genre, je suis pas sûr qu'il m'en ait offert un, hein, parce que le collier a coûté plus de 30 balles. Filong. Filong. Est-ce que c'est pas celui-là que t'as transporté en bas? Ah, c'est Balrog. Ça c'est pas marqué, mais... Oui, c'est Balrog, le boxeur hein, de Las Vegas. Zangief. Ah, Zangief, le russe. Hein, le catcheur russe. Non, il n'y a rien d'autre. Ah, donne-moi ça. T'arrives, prends le tournevis. Prends le tournevis. Quel idiot. Alors ce qui est énervant, c'est pas toi, là, pour le coup, c'est qu'on a toujours pas de cadeau. Altaïa, mais qu'est-ce que vous faites? On en est à combien de colis, là? C'est au 7e, là? On est au 7e colis, 6e ou 7e colis? Là, combien il y a de figurines? Oui, je vais compter. Allez, c'est maintenant qu'on va le faire. Maintenant, on va compter. 2, 3, 4, 5, 6, on est à 13, 7, on est à 13, il y a le numéro, là, il y a le numéro. On est 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ferme-la, assieds-toi, ferme-la. Ferme-la, on est à 6, il y en a 13, il devait y en avoir 12, deux figurines par colis. Voilà, c'est le 6e colis, toujours pas de cadeau. Alors Altaïa, c'est vraiment pas cool, parce que là, vous m'augmentez la facture, là on est à 30 balles, on est à plus de 30 balles par mois, ça commence à devenir, franchement, c'est pas sympa. Arrête, lui aussi va nous faire un procès si tu continues, parce que les youtubeurs là en ce moment je sais pas ce qu'ils ont, ils sont tous procéduriers, ils ont aucun humour certains. Hein, voilà, donc voilà, un petit, les blagues les plus courtes des fois sont les meilleures. Ne me racontez pas de ça. Ne me racontez pas de ça là. Alors, donc j'en viens à parler, parce que ça sera peut-être notre dernière vidéo avant Noël, arrête. Ce sera peut-être notre dernière vidéo, pas avant la fin de l'année, mais avant le Retro Gaming Day. Retro Gaming Day, donc c'est les Retro Gaming Day cette année, hein, je mets l'affiche là. Oui, vas-y, dis alors. Retro Gaming Day sera deux jours, pas une fois. Voilà. Voilà. Et c'est tout. Putain, mais grâce à toi, il va y avoir du monde. Hein. Mais alors, grâce à toi, mais on est sûr. Là, on est sûr de remplir. Hein. Alors 21, 22 décembre, alors le samedi 21, recadre bien toi, le samedi 21, à partir s'il te plaît, bien, le samedi 21, à partir de 14h jusqu'à 19h, arrête de tousser, le dimanche de 10h à 18h, notez dimanche 22, au centre culturel de Porto-Vecchio, il y aura des activités, c'est dur. Entre tous ceux qui me foirent tout là, putain, c'est pas possible. Donc merci d'avance déjà à tous ceux qui vont venir. Merci déjà d'avance à tous ceux qui vont participer. Il y aura Jean-Laurent Marcia qui vient d'Ajaccio. Hein, c'est pas rien, c'est j'ai ces illustrations là qui sont là-haut, mais on les voit peut-être pas sur la vidéo. Tu vas pas les trouver, tu vas pas les voir. On va perdre du temps. Il y aura notre ami Jean-René, hein, des Rosas, qui sera là. Qui va aussi exposer hein, quelques-unes de ses illustrations le dimanche hein, seulement parce que le samedi il travaille. Il aura aussi son stand hein, qu'il organise avec la librairie Le Verbe du Soleil. Donc il y aura des livres sur le thème des jeux vidéo et de l'imaginaire et je sais pas trop quoi, on verra bien. Hein, et je pense qu'il va nous faire une belle petite sélection comme l'année dernière. Il y aura ma cousine Aline donc qui va animer l'atelier Pixel Art grâce hein, aux perles à repasser que nous a offert. Que nous ont offert nos amis de Jouer Club, en particulier notre ami Laurent, hein, que je remercie encore. Merci. Il y aura
Il y aura plein d'autres activités qu'il faut venir voir. Allez voir sur, on a tout annoncé, les Donkey Konga. Il y aura, oui, allez voir sur le Facebook. Allez voir sur le Facebook, il y a l'événement. On vous met le lien en dessous. Il y a la bande-annonce, hein, si vous voulez voir à la fin de cette vidéo, je la mettrai aussi en lien. Où il y aura des PC, jusqu'à 30 la LAN party, non 10, c'est bon, 10 ouais. Ça suffit. Okay. 30, ah oui, c'est pas toi qui les portes, hein, c'est toujours, ah on va mettre dans 40. Ah oui, c'est facile, hein. Ouais, mais c'est jusqu'à, c'est pas... Ok, voilà, on va finir cette vidéo, hein, et je remercie aussi hein, ceux qui ont donné déjà des lots et des bons d'achat, donc Géant Porto Vecchio en priorité, Géant Porto Vecchio qui ont bien joué le jeu, ça fait 2 ans de suite qu'ils jouent le jeu, donc Géant Porto Vecchio, merci, on les remerciera encore, et Leclerc qui a fait un petit bon d'achat également, oui. Géant Porto Vecchio, Leclerc. Voilà, très bien. Et abonnez-vous à Leclerc. Oh putain, dégage. Allez, stop, au revoir.